là on va échantillonner avec une perche au plus près possible de l'iceberg pour voir si l'iceberg relâche du fer, du cuivre, etc. dans l'océan quoi. L'océan austral est très limité en fer. Donc il y a à peu près tous les autres nutriments qu'il faut au phytoplancton pour croître, sauf le fer. C'est un élément crucial à étudier. On a des gants spéciaux pour le fer, une manip un peu particulière, pour pas polluer l'échantillon avec ce qui peut venir du bateau, des vêtements, etc. quoi. Ah, dis donc. C'est plutôt soupe de courge mal mixée quoi. C'est pas mal. C'est le goût de fruits de mer. Ouais. En fait, ouais, c'est une espèce de diatomée, c'est un type de phytoplancton silicieux avec les carapaces de verre, particulièrement important pour nourrir le krill. Donc, il joue un rôle fondamental. Il n'y a pas de krill, tu n'as pas de pingouin, tu n'as pas de baleine. Ok, Flash, on arrête dans 10. 4, 3, 2, 1. Alors aujourd'hui, 3 paires de chaussettes, 3 paires de pantalons et 5 couches en haut et avec le ciré. On est bien habillés. Messieurs au trail, timonerie, on va pouvoir mettre ça à l'eau pour le dernier cast de la journée.